Salut tout le monde, ici une nouvelle fois chaud pour l'épisode 19 de 13 et on s'est enfui d'un sous-marin. Enfin, enfui, je peux pas vraiment dire ça parce que le sous-marin est actuellement rempli à sa destination, comme vous pouvez remarquer ici. Oui, enfin, c'est fait directement après la mise en scène de ma dernière vidéo. Hein. On va pas se dire le travail titanesque de mes montages. Tout a été pris en une seule take et je me rends compte de mes erreurs, donc logique. On a perdu Connell, mon contact. Vous remarquez d'ailleurs que j'ai un harpon actuellement. Cette arme ne servira dans le jeu absolument à rien, juste pour un ou deux niveaux maximum. On va se dire ok, on va faire croire que c'est plutôt sympa. Non, vous hallucinez pas, c'est moi. Bon d'ailleurs, je me barre. Il y a une paye ici. Ça tombe bien, j'avais envie de faire des petits travaux manuels, notamment pour aider à soulever ces conteneurs qui font des tonnes et des tonnes. Et avec mon petit outil qui ne fait que des kilos, même pas des kilos, je peux même pas dire kilos, hein. Des centaines de grammes, on peut dire ça comme ça. Enfin bon, c'est pas très grave, on peut au moins soulever les caisses et prendre notre soupe-bine d'une fameuse marque qui s'appelait Campbell. Et bonjour mon colonel. Colonel, je crois que j'ai découvert un individu qui a usurpé votre identité. C'est pas vrai, Snake! Qui c'est qui a voulu faire ça? Pas moi en tout cas. Absolument pas moi. C'est pas moi qui a fait ce doublage, c'est pas moi qui a fait tout ça. Oh, des munitions. Colonel, j'ai encore découvert votre double identité. Non mais on est triplé. Regardez-moi ça, c'est le triplé du colonel Mac... Non, qu'est-ce que je dis? Je suis un peu trop loin dans mes pensées là. Cette référence va trop loin dans cette référence de Metal Gear Solid et j'ai 9... Depuis quand j'ai 9... Bah oui, c'est la dernière fois, toi je t'avais pas vu, et toi je t'avais pas vu non plus, je me cache. T'aurais dû plutôt bouger. Et j'aurais dû faire pareil d'ailleurs. Oui, c'est vrai. J'aurais dû vraiment bouger dans cette zone. Rien à l'horizon, l'horizon n'a rien. Vous remarquerez, mesdames et messieurs, que cette partie de la map est tout simplement remplie d'un détail qui est tout simplement horrifiant. Et pour cause, il devrait y avoir de l'eau en dessous. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, ça reste quand même un petit détail dans un univers historique très très peu réel, enfin même si c'est semi-réalistique dans l'environnement. Ah, Jones se fait appeler. Je sors de l'aéroport à l'instant. C'est Carrington qui prend la relève. Il va te récupérer à la sortie du hangar 33. Hmm. Plutôt sympathique ça, l'hangar 33. J'y suis déjà allé une fois dans une colonie de vacances et je me suis bien amusé. Ah ok. Alors, je vois que ceci... Oh, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux m'attaquer? Non, on se calme les enfants. Oh non. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Vous avez essayé de m'abattre facilement? Il est tombé. Toi, tu te calmes, on spread le contrôle, voilà, parfait, et c'est gagné. Alors du coup, j'ai fait un peu le con. On va essayer d'accéder là, à mon avis, je pense que le chemin est totalement possible. Voilà, c'est réussi. On peut même monter d'ailleurs ici, au-dessus, ce qu'on peut le faire. Ouais, c'est juste pour récupérer des petites grenades de fusil d'assaut. C'est toujours ça de gagner, bon. On va essayer de monter ici. On casse la fenêtre avec nos petits points invisibles. Non, rien du tout. Pas de chanson, pas de référence musicale à Astérix. Ok, c'est pas grave. Une prochaine fois peut-être. Alors, on va ouvrir la nappe hydraulique pour transformer en lit hydraulique. J'ai du nouveau. Oh. Tu dois saboter le sous-marin pour couler le chargement. Bonne chance. Et pourquoi il faudrait que j'aille couler le chargement? Sur l'hélice. Merci, Jules. Je ne savais pas sans toi qu'il faudrait que je sabote un sous-marin grâce à une hélice. J'aurais juste dit, ça sabote le sous-marin juste pour la navigation, mais rien de spécial. Enfin bon, merci quand même de ton sacré coup de main. Je me sens complètement...
un peu dans la merde là. Il faut, va falloir que je trouve un moyen de descendre. Et ce, sans me faire trop mal. Et c'est parti. C'est gagné. Oui, je peux enfin descendre en toute tranquillité et planter cette bombe de sabotage. Bombe d'ailleurs qui est apparue une seconde fois dans mon inventaire. Oh là là, va falloir que je me barre. Demi-tour. Oui, t'as raison, demi-tour. Plus que 13 secondes. Vite, mettons-nous à l'abri. Parce que ici, c'est suffisant. Oh, un morceau de verre. Genre, le truc, il se cache. Par contre, est-ce que tu peux m'expliquer, 13, pourquoi tu te lèves subitement sur la pointe de tes pieds juste pour regarder l'explosion? Oh, une sacrée explosion. J'aime beaucoup, c'est beau, c'est magnifique. Et la seconde question, c'est pourquoi le mec, il est arrivé ici? Qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce que cet endroit si spécial? Il n'y a rien dedans. C'est pas grave, on va sauter ici, histoire de gagner un petit peu de temps. Allez, 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 on se lève dans les pieds. Allez, allez, allez. La marche est assurée. Allez, allez, allez. On va bouffer les sardines jusqu'à la voie lactée. Là, 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 là. Non, ça marche pas comme ça. Bon, tant pis. Wow, 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 c'est qui me tire dessus, là? Ah, bah, enfin l'utilité de cette arme. Enfin une sacrée utilité. J'aime beaucoup cette arme. Voilà, une petite touche de harpon. D'Harponix. Et du coup, vos vaisseaux sont tout propres et beaux, ravissant de la tête aux pieds votre famille et vos horizons. J'ai franchement pas d'idée pourquoi je dis ça. J'ai vraiment pas d'idée du tout. En quoi qu'il en soit, y a rien d'autre à dire. Voilà, on est passé d'un sous-marin vers une zone encore plus étrange et qui se trouve... comment l'expliquer? Dans un endroit qui n'a absolument pas de rapport non plus, en fait. On passe d'une cargaison de sous-marin à un endroit désert et vide. Regardez-moi cette magnifique zone remplie de vide intersidéral, suivie de zones un peu plus remplies. Notamment cette magnifique marque d'essence Notal. Notable notamment pour sa notabilité et ses notaires. Mais bon. Cette allitération en N, c'est gnagnon. Voilà, gnagnon. Ah non, rien ne fonctionne, j'ai tout cassé aujourd'hui. Non, c'est moi. Ne jamais rompre devant un sergent. Voilà, t'es mort. Et il a même pas fait gaffe. Si, il a enfin fait gaffe. Non, j'ai failli réussir quand même le shot. Ça aurait été sympathique plutôt d'avoir réussi un shot à longue distance comme ça. Vous imaginez si c'était vraiment le cas, si j'avais vraiment réussi. Déception. Sacrée déception, n'empêche. Non, non, non. Oh, il y a une M60 qui se trouve à disposition. Je vais la récupérer. Je crois que je dois avoir suffisamment de... Ouais. J'ai suffisamment de temps pour le faire. Hop, c'est parti. Parfait. M60. J'ai combien de balles? 239. Intéressant. Et j'ai récupéré même un Colt. J'ai laissé tomber ma vieille arme pour un Colt. Bon, à quelques balles, certes, mais quand même. Et boum. Heureusement que ce jeu a censuré tout élément graphiquement gore. Parce que là, ça m'aurait pas plu de voir une quantité... Une mort de... J'ai rien dit. J'ai absolument rien dit sur ce que je viens de dire à l'instant. Bonjour. Tcha tcha tcha. C'est vrai que ce même petit rythme. Tcha tcha tcha. Mince. Attention. Tcha tcha tcha. Ah oui, quoi que non. Un peu plus rapide que le tcha 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 d'habitude, mais bon. Au moins, j'aurais essayé. Des armes. Des armes. Tout ça me semble être. Magnifique. Putain, je le fais trop bien, n'empêche.
rien à l'horizon encore une fois. Je sais qu'il n'y a jamais rien à l'horizon, cette map est vide. Juste une sacrée mare au canard, suivie... Oh, de munitions d'armes. C'est pendant quelques secondes de... Ouais, quoique c'est pas très utile. Bon, c'est pas important. On monte là-haut. Bordel comment? Ah mais c'est moi qui ai été donné en alerte. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est moi qui vous donne du renfort aussi. Bon. Qui sait? J'ai essayé de faciliter la destruction de ce magnifique mur. J'ai même saboté le système électrique de la zone. Allez, quoique, je dis ça, mais c'est... explosif. Oh, mais attends, il y a un bazooka là-haut. J'aime bien ça. Ça commence à être un petit peu tendu, là, au niveau de l'activité. Non, on peut pas accéder à là. Excepté cette magnifique zone. Allez, bonjour. Et ça doit faire super mal, n'empêche. Et la petite personne qui essaye de se balader avec son M60, comme ça, comme si rien n'était. Tu penses vraiment, mec, que tu vas me toucher de cette... Ah bah oui, ça devrait les calmer. T'aurais dû même le dire avant. Histoire de bien dire, avec fun, ça devrait une nouvelle fois les calmer. Mais heureusement, on est dans 13. On est dans un jeu où le script marche sur tout et n'importe quoi, et notamment sur le picking d'armes. Sérieux, Sam d'ailleurs faisait ça. Quoique aussi, je remarque. Et une superbe carte. Alors. D'ailleurs, petite question. Peut-on monter au-dessus de ces... Non, on peut pas monter là-haut. Ça aurait été vachement drôle si c'était réellement le cas. On aurait juste monté là-haut et hop. Une zone gratte. Eh, hey, mais attends, quoi que si, non. Non, on peut pas. C'est juste un décor. Tant pis, au moins, j'aurais essayé de voir... Des petits endroits fun, voilà, pour les gens, pour moi et vous. Allez, on va sortir de cette zone pour de bon. Oh, bordel de merde. Un hélicoptère qui essaie de nous saboter. Non. Allez, attaque-moi avec ton bazooka. Oh, j'ai mal. Oh là 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 là. J'ai très mal. Vous savez comment détruire un hélicoptère en essayant de vous regarder? Voilà, il a mal. Aïe. Oui, il a mal. Oh là là. Oh, j'ai très très mal actuellement. Oui. L'hélicoptère, il est en ce moment, il est totalement hyperactif là. Oh là là, je ne peux pas esquiver les balles. Je me sens plus. Je me sens plus du tout. C'est parti. J'ai plus de munitions. Est-ce qu'on peut les casser avec ça? Non, il veut pas du tout. Bon. Et ça se casse pas avec ça. Youpi. Bon, calme-toi un petit peu l'hélicoptère, là tu commences à être un tout petit peu surexcité, voilà. Ouh, y aurait-il des munitions ici peut-être? Oh. Pendant ce temps, l'hélicoptère essaye toujours de nous regarder, mais moi je sais où est-ce qu'il se trouve. Il se trouve toujours dans la zone et essaye de me chercher. Ce qui est logique, parce que je viens de le dire à l'instant. Une succession de portes totalement blindées. Voilà, et du coup l'hélicoptère est cassé pour de bon. Il va devoir se barrer. Mayday, mayday, l'appareil ne fonctionne plus. Il va cracher, il va tomber. Oh, j'ai fait une explosion. Boum, j'ai encore explosé. Et crac, crac la zone qui a rebondi sur ma tête. Car après tout, c'est bien sûr rigolo hein, de regarder une zone totalement explosée, de se prendre une grille qui se fait propulser à une sacrée destination. Oh merde.
Qu'est-ce que j'ai fait, mon garçon? New York Police Department, police! D'après le général Carrington, vous auriez un cadeau pour moi. Donne-lui trop lent, fils. Absolument! Et c'est pour la fin. C'est pour la fin de cette vidéo que je vais vous dire que. Ça y est. Écoutez. Le capitaine Steve Roland s'est fait passer pour mort, officiellement tué en service commandé. Ainsi, il pouvait abattre le président sans que personne n'ait l'idée de le soupçonner. Mais Steve n'avait pas prévu que ses commanditaires le feraient exécuter à son tour. Et la mangouste ne l'a pas raté. Bien qu'il ait réussi à se traîner jusqu'au domicile de son épouse pour y mourir. Le pauvre. C'est elle qui a eu l'idée du sosie. C'est moi qui ai fait subir une opération de chirurgie esthétique à cet homme afin de le faire passer pour Steve Roland. Le piège a fonctionné. Les loups sont sortis de leur tanière. Colonel Amos, cet homme est innocent. Nous devrions recouper nos informations désormais. Qu'en pensez-vous? Il prépare un coup d'état, général. Deux d'entre eux ont rendez-vous ce soir. Je connais l'endroit. Oh! Sur ce, on se dira à plus tard pour le 20e épisode de 13. Ça fait quand même 7 épisodes depuis le titre du jeu. C'est un bon chiffre. En tout cas, bientôt. Une zone quand même pas très spéciale. Une alerte attentat. Non. Ou plutôt, encore une fois, un soupçon d'espionnage. On va pas donner l'alerte. En tout cas, prochain épisode, on se retrouve. Toujours de bonne humeur, avec moi, avec Shaw. A plus tard.